une nouvelle vidéo et cette fois c'est un unboxing du pack Doom Collector. Allez, c'est parti! Du coup, allez, franchement, j'ai joué au jeu, hein, j'ai découvert un moment, j'aurais dû pas faire ça. Du coup, allez, c'est parti! On commence par le jeu? Ouais, on commence par le jeu. C'est normal de commencer par. Alors, le jeu Doom, quoi, normal. Hein. Sinon, ça sert à rien de l'acheter. Bon, le jeu, on constate. Ah! Je sais pas, c'est quoi? Ah, c'est pour t'expliquer comment jouer. Hein. Je pense que tout le monde sait jouer à Doom. Hein. Oh, un code pour t'aider de plus de choses pour jouer, regarde. 7 d'armure de démon. 6 peintures métalliques, 3 logos ID, 6 modules de piratage. Ok. Oh, après une image de Doom, Season Pass, 3 packs DLC multijoueur et Dino Red 2. Du coup, on va tout remettre ça dans le jeu, enfin dans le truc. Moi, je kiffe cette licence de Doom. Normalement, je devais acheter GTA avec GTA. Mais bon, il coûtait trop cher et puis même je préfère Doom, franchement. Après, nous avons quoi? Bon, ça, à mon avis, on verra après. C'est un des plus beaux trucs que je crois qu'il donne. Après, là, nous avons un poster, à mon avis. Enfin, j'ai regardé du coup. Faudrait pas l'allumer. Ah merde, vous voyez pas. Vous avez vu? Il est stylé, hein. Du coup, là, il faut le replier. Ce que je déteste, c'est le gros poster, là, qui sert à rien. Et tu dois tout replier et tout pour rien. Bon, voilà. Et après, le dernier que je préfère. Bon, on va enlever ce qu'il y a dedans. C'est deux trucs que tu accroches normalement sur tes vestes, tes vêtements et tout. Là, c'est leur association, enfin, leur association, leur groupe. Où tu fais partie d'un truc comme ça. Bon, je vais pas vous spoil, mais je vous dis vite fait. Et en fait, tout le monde est mort, à part toi, il reste plus que toi, qui allait sur la planète Mars. Et c'est votre groupe, c'est votre marque, on va dire. C'est, par exemple, on va dire, je sais pas. Par exemple, la NASA, ils ont fait un logo avec une Terre et un trait rouge autour de la Terre et une fusée, voilà. Après, bon, il y a le logo de Doom, hein, tout le monde le connaît. Après, le steelbook. Enfin, il y a marqué manuel, mais c'est un steelbook pour moi. Voilà, après, il y a tout. Les armes et tout. Bon, après, il y a des trucs qui vont vous spoiler les monstres et tout, vaut mieux pas. Bon, après... Il est vraiment beau, je trouve. Mon préféré, c'est lui. Il est stylé. Et lui aussi, il est bon, il est fort, mais c'est chiant à le battre, celui-là. Je l'ai battu. Enfin, je l'ai pas battu, mais j'espère le battre un jour. Parce que franchement, je suis vraiment une grosse merde. Franchement, sympa le pack Doom Collector, mais dommage qu'il... Bon, il est en réduction, hein, mais je vous dis pas le prix parce que je fais pas de la pub. Hein. Je fais surtout pas de pub pour PlayStation. Même pas de pub pour Bethesda. Bon, après je remets pas le jeu dedans, sinon c'est on met 1000 ans à sortir le jeu. Du coup, là, c'était la fin de l'unboxing pour Doom. Du coup, sur ce, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à Monsieur Reznov et Killer Glitcher. C'est la nouvelle chaîne YouTube de Killer 730. Et maintenant, son nouveau pseudo, c'est Killer Glitcher. Allez, ciao et ciao.